Salut les gars, ça y est, on est arrivés. On attend plus de vous. Ouais. Voilà, on vous attend chez vous. Ok, on est là dans 2 minutes à l'IUT là. À tout. Salut Max, ça va? La réponse est venue. Je sais pas, j'ai pas de problème. On attend. Vous avez déjà reçu ça? Et au fait, je vous ai pas dit, faut que je vous montre quelque chose, j'ai acheté une petite caméra pour vlogger. Oh, elle est stylée. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est bien, ouais, trop bien. J'adore. Et vous bien? Yes. Par contre, là, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être chaud en fait. Il y a déjà une heure de retard. Nous, mes jambes là. Non mais... Oh là là, tu veux que je filme de vos positions, comment elles sont? Ouais, vas-y, c'est tout. On est en retard en plus là, non? Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais non, on est en retard. Vas-y, démarre là, sérieux. Ça fait trop longtemps. Vas-y, on va pas attendre. Déjà, t'arrives en retard. Qu'est-ce que... Pourquoi ça bip? C'est normal ça? Oh là là, les aventures. Non, putain. C'est toi conduire ou quoi, Emmanuel, sérieux? Mais arrête de me stresser, j'ai 9 heures de route, c'est même pas ma voiture en plus. Ouais, faut pas l'abîmer là. Bah, ils auraient pas dû te l'apprêter. Faut bien manger. D'avoir un McDo là, la même. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors on va vous prendre 5 menus best of Big Alors, Mac. Attendez, vous arrêtez tout de suite. Nous sommes vraiment désolés de vous l'annoncer, mais on est en rupture de stock. Wow. Comment ça? Alors moi je vous conseille d'aller au McDo qui est à 5 km de là. Mais c'est une blague. Alors, depuis quand le McDo est au McDo de stock ça? Il est à 5 km. Je gère pas les stocks, donc je peux pas vous dire. Moi je sais qu'il y a plus rien ici. Donc vous allez au prochain et puis c'est tout. Putain, ça casse les couilles. C'est trop fin là. Bah merci. Au revoir. Bah vas-y, salut. J'ai faim. Ah, je crois qu'on arrive au McDo là en plus. Ouais. Ah ouais. Il est juste là. Attends. T'es à droite là. Oh, droite. Oh, bah, mais tu t'es trompé. Ah bah tant pis, bah vous avez qu'à conduire la prochaine fois, vous passerez mon permis, vous me ferez moins chier. C'est pas conduire, ouais. Putain, on va encore attendre, je sais pas où. Tu peux prendre le volant, Hugo? Non. Voilà. C'est pas grave, sachez les sandwichs là. Bon bah, on remange des sandwichs. Voilà. À défaut de manger McDo, mais j'avais faim. Ça n'a pas le choix. Oh le masque! Mais le masque! Eh hey, monsieur! C'est quoi votre non, problème? Mais c'est à cause de vous! Mais c'est à cause de vous que le virus il se propage! Mais vous aussi, vous n'avez pas de masque? Je vous. Eh hey, toi là, t'as pas intérêt de filmer, de balancer ça sur les réseaux sociaux, hein! Tranquille, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa caméra! Ouais, ouais, c'est ça! Mais quoi, il part? Vas-y, vas-y! Non, mais sérieux! Il est déjà bien en bas. Bon bah allez-y, poussez. Ouais, t'es mignonne, toi, pose la caméra, je sais pas, t'as un truc. Hein. À vous. Les amis, non, tu vois ce que... Pose la caméra. Tu nous aides jamais. La bête, mets chaud. C'est bon, quoi. Ouais, vas-y, ok. C'est chaud, c'est super. Alors petit update du voyage. Moi ça me casse les couilles parce que tout le monde dit que je conduis mal, on me dit que je prends trop de place avec mes valises, ça me saoule, ça me saoule. Non mais vraiment, ça nous arrive qu'à nous des trucs comme ça, même le McDo il est en rupture de stock, ouais. C'est normal. On a bouffé des sandwichs triangles. En plus, on va arriver 5 heures en retard en BNB là, à cause de toi, Emmanuel, tu roules à 30. Mais toi, je t'ai dit, tu fais trop le malin, je te jure, je commence à me filmer. Il y a des bouchons, quoi, ça va te faire. En plus, à louper les sorties à chaque fois. Putain, quand on dit à gauche, elle va à droite. Et moi, la dernière fois, c'est moi qui conduis pour vous. Hein. Je fais plus vos taxis, hein, c'est fini. Il fait très chaud. De merde là. Puis on a plus de place. Il fait 2 heures. Enfin, moi, ça va. Non, mais heures. C'est la 40e minute de bouchon. Voilà, il y en a marre. On n'en peut plus. Il fait super chaud. On va jamais arriver. Un âme peut plus. Voilà. Puis il bouge pas aussi. Que du bouchon, ah, du ça casse les couilles. Du bouchon. Allez, avance, papy. Non, mais ils ont que ça à faire que de rester là.
Ça y est, ils peuvent avancer en plus, putain. Une heure sous les bouchons, canicule, il fait super chaud. On va pas arriver à l'avance, donc on va appeler la dame du Airbnb pour la prévenir quand même. J'espère qu'elle va répondre. Tu sais comment elle s'appelle au moins ou pas? Madame du Airbnb. Voilà, c'est bien comme ça. Allô? Oui, bonjour, c'est Emmanuel. On a réservé ce soir un Airbnb. Mais c'était pour vous prévenir que là, on est complètement bloqué dans les bouchons depuis 1h30 et que là, le GPS, il nous annonce qu'on va arriver vers 22h au lieu de 19h. Donc, c'était juste pour vous prévenir et qu'on est vraiment, vraiment désolé pour le retard. Je savais que je ne pouvais pas compter sur des jeunes. Je vous avais dit que je serais plus disponible après 19h. Ouais, j'aurais mais... pu prévoir plus large. Mais madame, là, c'est pas... C'est pas notre faute, là. C'est là, on... Donc, là, on va dormir dans la rue ce soir, c'est ça? Vous démerdez. Vous avez dit pas après 19h, tant pis pour vous. Wow. Mais madame, soyez cool un peu, je sais pas, non? Vous pouvez comprendre. C'est pas notre faute, hein, les bouchons, on les prévoit pas. Hein. On est des jeunes, on va pas dormir dehors. Vous pouvez trouver un camping ou un truc comme ça? Mais mignonne, allez, ta gueule. Putain, mais elle est sérieuse, elle. On va dormir. Casse les couilles, cette. J'espère qu'on va trouver un endroit pour dormir. On va chercher ça. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bon, alors là, j'ai trouvé une auberge de jeunesse, 20 balles la nuit. Bon, c'est à 15 km, ça fait loin. Regarde s'il reste des places. Pardon ? Je dis, regarde s'il reste des places. Ouais, ouais, ouais. Ça fait long quand même. Vous avez pas de trucs, vous ? Je sais pas, vous regardez les campings, machin. Moi, j'en ai un, mais il est à 60 km. Oh, ça te saoule. Loin. Tant que ça, à cause de 2 heures de bouchon là. Mais c'est même pas de notre faute, genre. On nous laisse sans aucun souci alors que bah on est des jeunes, on est sans. Enfin, c'est bon, bref, on a rien, on va dormir dans la voiture, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais faut avoir un choix. Flemme un peu. Bon, ça va être galère encore plus. On retourne dans la voiture. Ouais, c'est parti. Tant pis.